Nous passons à notre deuxième invitée. Alors, si le CHPG a été en première ligne, et l'est encore durant cette crise sanitaire, les pharmacies aussi. Avec nous, ce soir, pour faire le point, la présidente du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, Caroline Rougueignon, bonsoir. Bonsoir. Comme je viens de le dire, les pharmaciens ont été en première ligne. Comment est-ce qu'ils ont vécu cette période, les pharmaciens et le personnel pharmaceutique ? Les pharmaciens ont été en première ligne pendant en particulier le premier confinement. En fait, ils se sont retrouvés avec les supermarchés à être quasiment les seuls endroits ouverts de la principauté. Même si les conditions sanitaires étaient parfois difficiles pour eux et pour leurs équipes, c'était une grande inconnue. On connaissait très très peu ce virus. Ils ont été très sollicités parce que les clients étaient stressés, anxieux. Ils devaient faire face à ce stress aussi et essayer de rassurer la population. Ils ont joué un grand rôle. Désormais, là, les pharmaciens sont autorisés à pratiquer les tests antigéniques. Vous avez été formés pour ça ? Alors, ils ont été formés pour pratiquer les tests antigéniques. Ils avaient été formés pour pratiquer les tests sérologiques auparavant. Parce qu'il faut savoir que ces tests sérologiques se font dans des conditions, quand même, elles exigent des conditions d'organisation qui sont très strictes. Toutes les officines ne peuvent pas s'y plier parce qu'il faut des entrées séparées. C'est très important de pouvoir faire ces tests également en pharmacie parce que c'est un accès rapide et facile pour pouvoir faire ces tests. Et ça permet aux personnes qui peuvent être contaminées, parfois sans le savoir car asymptomatiques, de pouvoir s'isoler très rapidement et de protéger ainsi leurs proches et de limiter la propagation du virus. Est-ce qu'il y a eu une demande accrue des tests de la part de la population avant les fêtes ? C'est ce que vous avez pu le constater ? On a eu les personnes qui voulaient voir leur famille pour les fêtes, qui ont préféré toutes se tester au préalable. Donc il y a eu beaucoup plus de demandes avant les fêtes. Il y a eu un pic très net. Puis il y a eu les jeunes qui revenaient de l'étranger, qui ont voulu se faire tester également. Quelques-uns qui souhaitaient partir en voyage. Donc il y a eu une grosse demande de ces tests. Et maintenant, il y a toujours beaucoup de demandes ? Il y a toujours de la demande, oui. Il y a toujours beaucoup de demandes. J'aimerais que l'on parle de la vaccination à présent. À votre avis, les pharmaciens seront-ils autorisés à pratiquer cette vaccination ? Et si oui, qu'en pensez-vous tout simplement ? Alors, je pense qu'ils devraient être autorisés, effectivement. Ils ont participé à la campagne de vaccination contre la grippe. Donc ils avaient été formés pour cette vaccination il y a quelques mois. Donc ils vont être impliqués, ils ne le sont pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui le premier vaccin que nous avons reçu est celui de Pfizer qui impose des contraintes de manipulation, de logistique, de température qui ne sont pas du tout évidentes et qui sont multidoses également. Donc pour être certain de ne perdre aucune dose et pour... il a été décidé que les pharmaciens pourraient vacciner quand les prochains vaccins seraient un peu plus simples en termes de logistique en particulier. Et il faudra une formation particulière pour ça ou c'est pareil que la grippe ? Je pense qu'il y aura quand même un minimum de formation, ne serait-ce que pour le suivi de la population vaccinée. Enfin, mais oui, il devrait y avoir une mini-formation complémentaire en fait. La population est prête ou pas à se faire vacciner à votre avis ? Je pense qu'à Monaco, la population est globalement plutôt prête à se faire vacciner. Mais c'est vrai qu'elle est inquiète, elle a vu ces vaccins qui se sont développés rapidement et elle vient très très souvent voir son pharmacien, lui demander ce qu'il en pense, lui demander s'il va le faire pour lui. Si vous souhaitez mon avis, moi je suis extrêmement favorable à la vaccination. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont été développés effectivement très rapidement parce qu'il y a eu des moyens colossaux mis par les différents gouvernements pour accélérer ce développement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de faire une phase après l'autre dans le développement du vaccin, les phases ont été superposées. C'est ça qui a fait que le développement a été beaucoup plus rapide. Ce qui a également, qui est destiné quand même à rassurer la population et qui me rassure à titre personnel, c'est qu'il y a eu, dans ces essais, il y a eu beaucoup plus de patients vaccinés que ce qu'il y a dans un vaccin classique qui serait développé en un temps beaucoup plus long à l'époque. Et donc on a quand même beaucoup de données, quoi. On ne part pas du tout à l'inconnu. Je voudrais que l'on parle d'un autre sujet pour finir. Les femmes qui sont victimes de violences conjugales peuvent désormais se rendre dans une pharmacie pour se signaler. Qu'en pensez-vous ? Et est-ce que ça a déjà été le cas à Monaco ? Alors ça, c'est une très bonne idée qu'avait eue Mme Cotalorda, qui s'occupe du comité pour la promotion et la protection des droits des femmes à Monaco. Elle a eu cette idée pendant le premier confinement où les personnes étaient bloquées chez elles dans des conditions qui pouvaient être compliquées. Et en se disant que comme les pharmacies
était ouverte et que les pharmaciens, donc, connaissent, enfin les clients connaissent bien leur pharmacien, l'ont choisi, ont confiance en lui, c'était peut-être un lieu, la pharmacie, dans lequel elle pouvait se confier plus facilement. Il n'y en a pas eu beaucoup, heureusement, mais il y a quand même une pharmacie qui m'a dit qu'elle avait été sollicitée sur ce sujet à plusieurs reprises. Caroline Roguignon, merci. Je vous remercie aussi.